Quelques jours avant le second tour des législatives, la majorité présidentielle, le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale ont débattu ce 16 juin 2022 sur BFM TV. Au programme, canicule, pouvoir d'achat, retraite, crise des hôpitaux. Devant les journalistes Aurélie Casse et Maxime Swiatek, trois personnalités issues de chaque bord ont tenté d'argumenter devant les caméras, Gabriel Attal, LREM, Jordan Bardella, RN, et Clémentine Autain, NUP, se sont affrontés, non sans tension. De quoi donner du fil à retordre aux animateurs. Après une abstention historique de 52,49% dimanche dernier, 10 points au-dessus du premier tour des législatives de 2012, Gabriel Attal a reconnu une abstention trop importante et appelé à une participation des Français aux élections. Pas de quoi convaincre Jordan Bardella qui a dénoncé un président qui n'aime pas les campagnes électorales. Clémentine Autain a appelé de son côté à la mobilisation générale, en insistant à l'appel aux urnes pour les plus jeunes. 7 personnes entre 18 et 25 ans sur 10 se sont abstenues le 10 avril dernier. Les sujets de désaccord sont nombreux entre chaque parti, difficile d'avoir un échange audible durant ce débat. Maxime Swiatek doit s'imposer pour se faire entendre quand les invités s'éloignent trop des sujets attendus. Non, non, non. Question très simple, Gabriel Attal s'il vous plaît, respectez la règle du jeu, sinon ça ne sert à rien, clame le présentateur. Le récent ministre délégué aux comptes publics se justifie. Il y a beaucoup d'autres questions, je pense que ça intéresse les Français parce que si est-ce leurs impôts. Puis, si est-ce contre Clémentine Autain qu'il doit intervenir, on a parlé des impôts, on a parlé des retraites. Sujet important pour ceux qui nous regardent ce soir, les retraites. We'll be right back.